Et du coup, oui, ça m'a grave donné envie d'y retourner. Et j'espère qu'ils vont bientôt sortir un nouveau jeu, quoi. Parce qu'il me semblait qu'ils voulaient en faire un autre. Et d'ailleurs, il me semblait qu'il y avait. Et je sais plus comment il s'appelle. Et j'arrive pas à le retrouver. À un moment donné, je l'avais cherché, j'avais pas réussi à trouver. C'était issu de Welcome to the Game 1, je crois. Il y avait genre un mode qui te permettait d'avoir un petit jeu supplémentaire. Et qui s'appelait je sais plus comment, où vraiment en fait tu t'étais fait enlever par les gars là qui t'assassinent quand t'es sur le dark web et tout, et il fallait essayer de s'enfuir ou je sais pas quoi. Donc pareil, toujours avec un système d'ordinateur où tu dois fouiller sur le web et tout, et j'aurais trop voulu tester cette version-là du jeu, et j'arrive pas à la retrouver, donc si quelqu'un a des infos, j'essaierai quand même d'y retrouver, parce que c'est quand même dingue, mais ouais. Voilà. Red Room, ah c'est peut-être ça, ouais. Merde, il y a une sonde d'alerte qui a pas marché. Ah attends. Non, Red Room, je l'ai pas fait, hein. Merci beaucoup Coco pour tes 500 bits, je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Je suis en train de regarder du coup mes... Je suis en train de regarder mes trucs d'alerte pour voir si c'était pas désactivé par hasard. Ah putain, si c'était désactivé, je crois. Je suis pas sûre mais je crois. Merde! Merci beaucoup Coco. Bon, normalement c'est activé pour la prochaine fois, j'espère. C'est pénible parce que ça bug un peu de manière de temps en temps, quoi. De manière de temps en temps. De manière régulière. Bon, on retourne sur Second City. Je fais mon petit moonwalk. Sac à dos. Regardez ce beau sac à dos. Très joli. Hein. Et regardez la bouille de ce personnage qui a l'air tellement triste d'être là. Je veux rouler des pelles. Tu veux une pelle, toi? Attends. Je te roule une pelle. Au secours! Ah. Attends, il faut pas encore que je fasse de la merde parce que sinon. On en était où? Ouais, c'est pas faux. Parlais, je suis en mode. Ah! Ah putain, je suis complètement perdu! Attends. Si on avait entendu un mot parfait. Oh! La clé du QG, voilà! Dans les titres. Oh mon dieu! Bon, on l'a fait du coup? Non, on l'a pas fait parce que j'ai fait de la merde et du coup j'ai pas sauvegardé. Donc il faut qu'on y retourne vite fait. C'était magnifique. Non, non, je suis pas perdue, regardez. Regardez, je suis pas perdue. Ça va aller! Non, mais ça m'a surpris de ouf! T'sais, pendant 2 secondes, je me suis dit. Quoi? Y a vraiment un perso qui dit ça. Oh putain. C'était magnifique. Alors, c'était là, voilà. Pef! Bah non, c'est pas là. Les dernières nouvelles à être sorties de la presse. Je suis peut-être un petit peu perdu. Mais un petit peu, hein. Attends, mais le jeu m'a sauvegardé où?
J'ai perdu. Robert. Robert a rapidement perdu contact avec l'expédition. Sophie Salbert était le seul survivant connu et était assassiné peu après son retour à Terre. Il a été embauché pour retrouver tout membre de l'expédition mort ou vif. Ouais. Donc je réitère. Qui se marre? En fait, on y allait la dernière fois au QG. Le souci, c'est que vu que j'avais fait de la merde après et que j'avais pas sauvegardé, je sais plus à quel moment le jeu m'a sauvegardé en fait. Et du coup, là, je suis perdu. J'ai clip, merci gars. Oh, ça va! T'es qu'à pas rester devant moi, toi. Non, mais où? Arrêtez! Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est vraiment. Ouais, c'est pas faux. Ah non, mais c'était magnifique. On n'aurait pas pu faire mieux. Il semblait que c'était juste à côté, non? Ah non, mais ça y est, je suis perdu. Je confirme, je suis perdu. Mais là, j'ai mis le truc sur quoi alors? Mais le jeu ne me dit pas si, si oui ou non je suis allée au QG. Du coup, I'm so perdu. Oakmont Chronicle. Coverside West. QG de l'exposition. Preuve claire récupérée. Donc si, il a bien sauvegardé le jeu. Ok. Ok. Et maintenant, je suis censé faire quoi? Ah voilà, on en était là. Les documents de l'expédition sont perdus. Je dois toujours trouver une piste à suivre. Les membres de l'expédition ont quitté la ville à bord d'un cargo en partance de Grimhaven Bay. Peut-être qu'il y a des annonces récentes pour ce navire dans l'Oakmont Chronicle. Et c'est pour ça que j'avais mis un marqueur. Ok, c'est bon. C'était compliqué. C'est bon. On y est. J'ai so lost. I'm so lost. J'ai dit I'm so lost. C'est vrai? Qu'est-ce que t'as trop? Je fais même plus gaffe parce que. Quand est-ce que je dis quoi? Mime. Donc. Voilà. C'est. C'est pas là. On va y arriver. Vous avez confiance en moi ou pas? Vous avez confiance en moi. Je sais que vous avez confiance en moi. C'est là? Mais. C'est au croisement. I'm so perdu. Ah d'accord. Oui, ça me ressemble, ça, oui. C'est là. La meuf qui est trop fière d'elle après avoir tourné en rond pendant 20 000 ans. Les journaux sont près de la porte. Prenez-les et arrêtez-les. Je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas un étranger? Je confirme. Ça faisait longtemps. Je vais y avoir une crise cardiaque. Oui, j'ai trouvé la porte. Oh la vache. Oh putain. J'ai trop peur. Vous imaginez même pas à quel point. Sachez que quand j'ai vraiment peur, normalement je fais aucun bruit. Merci Coco pour tes 500 bits. Voilà ce qui arrive quand tu ne lèves pas pendant 2 jours. C'est ma punition.
Oui, je viens d'arriver. Oui, je suis un étranger. Je me plus ce qu'elle m'a dit. Charles Reed, détective privé. Ah oui, tout le monde me traite d'étranger. J'ai également besoin de vos vieux journaux. Ah, je pleure. Les archives, pour être plus précis. Ah, vous devez être celui qui a résolu l'affaire du meurtre d'Albert Throgmorton. Ah oui, c'est moi. Je m'appelle Hélène Blend. Bonjour Hélène. Je peux vous demander une faveur? Non. Accordez-moi une interview exclusive. Je vous t'inquiète. Vous ne regretterez pas. L'Oakmont Chronicle est le meilleur journal du coin. Non, je veux pas. Je penserai à vous accorder un peu de temps, mademoiselle. Non. C'est que le début du live. J'ai un peu de temps. Au revoir. Plus tard. Je penserai à vous accorder du temps. Allez, salut. Bon. Ah, oh, putain, je me suis craché dessus, enfin, tout va bien. Les preuves figurantes dans votre carnet de notes peuvent être accompagnées d'une icône indice indiquant que les recherches d'archives sont nécessaires, d'accord. Ok. Donc, c'est là où c'est un peu chiant, je crois. C'est que, en gros, il va falloir recouper dans ce qu'il y a là-dedans. Il va falloir regrouper ces informations dans les journaux pour trouver ce qu'on cherche. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a comme information là qu'on peut regrouper? Une expédition. Ils ont quitté la ville à bord d'un cargo en partance de Grim Haven Bay. Et c'est tout. J'ai pas plus d'infos. Non, arrête. La blague qui s'appelle Madame Blonde, on en parle. Ah, Madame Blanc. C'est ça le truc. Oh, Hélène, c'est l'oracle de Matrix. Putain, j'avoue un peu, ouais. Alors. Ah, mais ils nous mettent tout ici. Ah, bah voilà. Donc, Robert. Throckmorton a financé une expédition visant à découvrir la source de la folie qui sévit à Oakmont. Celle-ci avait pour but d'explorer le fond de la mer au large de la ville. Robert a rapidement perdu contact avec l'expédition. Son fils Albert était le seul survivant connu et a été assassiné peu de temps après son retour à terre. J'ai été embauché pour retrouver... On s'en fout, c'est pas ça le truc. AD. Journaux brûlés. Voilà, c'est ça. Donc... période. On s'en fout. C'est un peu le passage relou quand même dans le jeu. Article et interview. Ça a peut-être fait les premières pages ou les petites annonces, je sais pas. Déjà quartier, on va mettre Grim Haven Bay. Et si je mets petites annonces peut-être? Il faut mettre un troisième truc. Personne civile? Oui! Oh oh! Annonce de cargo, bah voilà. Le Titania. Un navire de 30 tonnes est actuellement disponible à l'embauche. Il est entièrement équipé pour le transport, mais aussi pour le soutien à la plongée et à l'exploration en mer, le tout pour 70 balles d'armes à feu ou solde équivalent à la semaine. Les intéressés peuvent s'en renseigner auprès du capitaine Jeremiah Sanders, point de contact au quai numéro 3 du pont d'Oakmont à Grim Haven Bay. Et ben voilà. Annonce de cargo. Voilà. Donc, il faut qu'on retourne au port d'Oakmont. Qui est là-bas. Voilà. Je vais mettre un petit repère, voilà, ici. Et j'ai un petit schmalalop là-bas pour me TP. Mais d'abord, regardons s'il y a du louloute à récupérer quelque part. Bonjour, hein, je me balade un peu. Coucou Léna, tu vas bien? Oui, MDR, lol, je suis mort. Bravo. Après avoir fait naître Monsieur Le Gris. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'ils disent? Putain, vas-y, vous avez pas du loot. Ah.
Tenez-moi votre loot. Oh oui, et puis il y avait je l'aurais piqué. En gros, en fait, ça veut dire que vu que dans cette ville, ils payent avec en fait, ils payent plus avec de l'argent, ils payent avec du troc. Donc ils payent avec de l'alcool, des cigarettes ou des balles. Si je prends des munitions dans un lieu public comme ici, ça veut dire que je leur vole de l'argent techniquement en fait. Mais bon. On dira rien. C'est pas grave. Personne n'a vu. De toute façon, je suis détective, je fais ce que je veux. Voilà. Je suis détective. Et puis j'ai une bouille super mignonne. Donc, je vous emmerde. Voilà. Y'a pas des bruits super bizarres? C'est moi qui a Lulu. Oh oui! Des cartouches. À la base, on est des voleurs dans les jeux, mais c'est normalisé. C'est vrai que c'est... Ouais. C'est vrai. C'est vrai que dès qu'on rentre chez quelqu'un, on commence à lui piquer toutes ses affaires. Tu fais ça dans la vraie vie, ça se passe pas bien. Clairement. Bon, là, c'est les chiottes. Ok. C'est bon, j'ai fait mon petit tour. Il est pas mignon, c'est un Dark Sasuke. Arrêtez ça. Quoi? Si je veux te tourner autour, je te tourne autour. Je suis détective, je fais ce que je veux. Moi, je trouve... J'aime bien sa bouille. J'adore la bouille du perso. Je trouve qu'il a une bouille. Ce que j'aime bien dans le jeu, c'est que vraiment, les personnages sont hauts en couleur. Ils vont pas ressembler à un autre personnage que t'as vu ailleurs, quoi, tu vois. Enfin, clairement, ils sont très, très atypiques. Et ça, déjà, j'aime bien. Je cherche l'endroit du TP, hein. Pas de panique. Et... Mais pourquoi t'as poil, toi? Ah non, c'est une robe. Et ouais, je sais pas, je trouve qu'il a une petite bouille trop choupie. Avec ses petits yeux globuleux tout tristes et sa petite bouille. Je vois des gens qui sont morts. Mais je suis mignon. Je sais pas, je trouve qu'il a une bonne bouille. Ah, c'est là. Ah oui, Noé, non mais... Dans la vraie vie, tu voles pas les affaires des gens comme ça, ouais. Ou alors il t'arrive des conneries. Ah mais non, j'ai pas d'endroit pour me TP au port. Chic encore. À la limite, je peux me TP ici et prendre le canoë, ce sera peut-être plus rapide. Ouais, je vais faire ça. TP là. Voilà. Et on va prendre le canoë ici. Et alors du coup, quel est le trajet qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse... Bon, gauche-gauche. Et voilà. Gauche-gauche. Même. Mam. Plus d'analyse. Oula. J'ai volé sur un truc. Tu vas bien? Par contre, il faut que je trouve un endroit... Ouh là 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 là. Je conduis pas droit. Je trouve un endroit où je peux m'arrêter parce que... Parce que Daniel... Ça s'en va, il manquait, dis donc. Merci infiniment, Coco, pour tes 200 buts. Attends. Je peux aller là aussi. Mais je crois qu'il y a un truc ici. Pour que j'accoste. Ouais, il y a un truc. Moi je vole et je passe à la cache, un voleur honnête, c'est bien. Alors. Allons au port. Oh, vous imaginez, regardez bien ça. Ça, c'est ce que je risque de manger vendredi. Ça donne envie, hein. Qu'est-ce qu'il faut? Mais... Il laisse le tranquille. Merde, j'ai tapé les deux. Non, 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 j'ai tué personne. Je l'ai tué. Mais non, pas encore. Ça m'arrive tout le temps. Non, 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 je vais bien. Ça, l'étranger, qui a dit ça? J'ai tué personne. Tout va bien, il ne s'est rien passé.
Eh mais c'est moi ou j'ai carrément plus de vie? Peut-être se soigner un peu. Non mais oh, soigne-toi. Comment je me soigne? Là voilà. La fin est proche. Les eaux enragées dévoreront la terre. L'ombre sinistre prendra la place du soleil. Mais taisez-vous, mais quelle bourrine! Mais je voulais aider l'autre, il se faisait tabasser, du coup je l'ai tué. C'est des choses qui arrivent, non? Je vais rééquiper mon flingue au cas où. Alors, faut que je parle au capitaine. Je sais pas où il est. Certains licenciements de la WWE. Ah ouais. Putain, je regardais tout le temps avant, mais il y a super longtemps. J'aimais bien, je trouvais ça rigolo. C'est du bon spectacle, je trouve. C'est marrant. Le poulpe, c'est super bon. J'en ai jamais mangé, donc je vais pas, tu vois, je vais pas... Ah, il y a un point de spawn, là. Under the kill bar, ça c'est le bar. Je vais pas cracher dessus, parce que j'ai jamais essayé, mais... c'est plutôt l'aspect, en fait, qui me donne pas très envie, ouais, tu vois. Au bon moment, c'est... Putain, on me répond, c'est perdu... C'est perdu en moi, putain, mais les vies... Mais tais-toi. Mais qu'est-ce... Attends, c'est dans le jeu, hein. J'ai comme un doute. Qui fait ce bruit? Je comprends plus. Merci. Coco pour 200 bits. C'est toi qui fais là? Je prends en compte le damier des 10 secondes. Mais qui fait ce bruit? Gaze Walway. C'est enfin. Lui? Hé, hey, à l'aide! Hé, hey, à l'aide! Qu'est-ce qui se passe? Je suis paniqué! À l'aide! À l'aide! Je me suis caché ici, mais ces murs vont pas leur résister. Ah, aidez-moi, ok. Pitié. Je vais t'aider, je vais t'aider. Des monstres! Quels monstres? De quoi parlez-vous? Mais si, on en a de vu! Le sang voilà, les malbêtes. Elles dévorent les morts. Ah d'ailleurs, c'est quoi le mot qu'on avait appris la dernière fois? Vera. Vera, qui veut dire... Qui veut dire c'est pas faux. Je cherche le capitaine Sanders. Je crois que ça veut dire ok. Est-il ici au port? Est-ce que les monstres l'ont eu? J'ai vu Sanders. Aidez-moi et je vous dirai ce que j'ai. Espèce de petit filou. Alors, où sont les malbêtes? Elles sont où? Elles sont tout droit. Ok. Est-ce que je suis armée? Oui. Il y a un vœu qui geindre. Tu verras qui veut dire chercher des indices. Pégale indépendant. On va les pouner. T'as entendu? Oh, vous avez vu comme j'ai bien visé? Je veux des applaudissements chaleureux dans le chat. Oh, le port est sûr. Ah, il y a un mort par contre. Mais c'est pas moi cette fois, promis. Tué par balle, à bout portant. Ah, mais je vois des trucs bizarres, oh merde. Ouah, mais je me vois pendu et tout. C'est quand même pas cool quoi. Ouah, mais il y a d'autres morts. Les monstres n'ont pas laissé grand chose derrière eux. Ouh là 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 là, je vois tout trouble. Ouh là là. Faut pas avoir toute sa tête pour faire ça à un autre homme. Mais regardez les... Non, 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 je vais me faire attaquer! Alors, quand tu deviens trop fou... Ah, le Titania! C'est le bateau qu'ils ont utilisé pour l'expédition. Ils étaient de bonne humeur et la boisson coulait à flot. Attends, je vais peut-être lui dire... J'explorerai ça après, je vais peut-être lui dire d'abord que c'est bon. Coucou Choubou, tu vas bien? Attends, je ferai ça après. Oui, je parle à la faille spatio-temporelle. C'est pas moi, c'est la balle qui l'a tué. Exactement. Je me suis occupé des créatures. Voilà. Maintenant, parlez-moi de Sanders. C'est pas faux, deuxième montagne. Ces choses, c'est à cause de lui qu'elles sont venues.
sujet du Titania. Titania. C'était horrible. Une vraie boucherie. Bah oui, j'ai vu. Je suis sorti, j'ai entendu les tirs. J'ai tout vu. Des marins en sang, à peine en vie. Le sang est entré en contact avec l'eau et... Eh ben... Les malbêtes sont venus tout dévorer. Quel genre d'homme est Sanders? Ce Sanders, quel genre d'homme est-il? Un étranger. Il avait l'air d'un bon capitaine. Gentil. Il traitait bien son équipage. Où est Sanders maintenant? Je dois trouver Sanders, où est-il? Je l'ai vu se faire la malle juste après les tirs. J'ai couru vers le quai, puis je l'ai perdu de vue. Avez-vous aperçu d'autres membres de l'expédition? Ah oui, bah ils sont là-bas. Juste Sanders. Ils sont un petit peu en morceaux. Je mettrai ma main au feu. Oula, mais pourquoi j'ai l'impression que je saute à chaque fois? Alors attends. Maintenant, on va peut-être mener l'enquête là-bas. Coucou Elquin, pas du tout. Pas du tout souci, il y a. Je ne parle plus très bien. Ah ah ah. Toutes les chambres sont vides. On sent encore l'odeur de poudre brûlée. La bonne poudre brûlée. Attends, attends, j'ai pas fini de faire mon petit tour. Il a l'air toujours trempé. Bah en même temps, il est sous la flotte, donc ça fait sens, tu me diras. Et c'est vrai qu'il a un petit air perdu, mais c'est pour ça que je le trouve si choupinou. Oh, il y a des femmes. Cap Cod. Il y avait des marques ici, mais elles ont été effacées. C'est quoi cette horreur? Voilà qui ferait une pièce étrange dans n'importe quelle collection. Contrat d'affrètement à temps. Je sous-signais le capitaine Jeremiah Sanders consent à prendre à bord de mon navire, le Titania, toute personne désignée par Robert Throckmorton, ainsi que la cargaison telle qu'elle a indiquée dans le manifeste 6 juin. Je m'engage à apporter toute l'aide nécessaire aux membres de l'expédition, cette aide comprenant la prise de mesures en mer et le soutien à la plongée à des fins d'exploration et d'observation des formes de vie sous-marine. Ces services seront fournis dans divers lieux confidentiels à Cold Bay. Une fois la mission accomplie, le Titania acheminera tous les passagers au port d'Oakmont. La rémunération est fixée à 70 munitions. Ce qui... Bah, j'en sais rien, je sais pas si c'est énorme ou pas. Ils étaient de bonne humeur et la boisson coulait à flot. Y'a rien du tout là? Y'a même pas de loot. Mais oui, prends un deuxième revolver. Tu as raison. Alors, bon, attendez, je crois qu'on a besoin de moi, j'arrive. C'est parti. On va reconstituer ce qui s'est passé. Que la marée t'emporte. Ok, donc ils sont devenus fous, rappelez-vous, dans notre première enquête, on avait vu que les gens étaient devenus fous aussi. Ça a l'air de s'être passé de la même manière ici. Fini de boire. Après tout ce qu'on a vu... On n'a plus le droit à un verre de rhum. Ouais, un petit verre de rhum. Mais dis donc. Après tout ce qu'on a vu, on aurait bien droit à une petite bouteille en plus. Ah, tu peux pas me tuer. Prends ça. Tentons de découvrir ce qu'il s'est réellement passé ici. Donc ça doit être le capitaine Sanders, je pense. Qui a essayé de se défendre. Et on dirait que tout son équipage est devenu fou. Donc ils étaient en train de picoler tranquillou. Merde, je suis coincé. Après tout ce qu'on a vu. Il leur a dit de s'arrêter de boire. Ça les a énervés. Que la mer t'emporte. Ah, meurs, meurs. Ah, ils ont commencé à tous se pouner la gueule. Il y en a un qui a poursuivi le capitaine Sanders et le capitaine Sanders s'est défendu. Ah, tu peux pas me tuer. Prends ça. Pour une raison ou pour une autre, l'équipage s'est entretué. Un seul homme s'en est sorti. Et c'est le capitaine! Palais de la mémoire! Oh là là, je suis un peu fou, mais tout va bien. je le vis bien. Document brûlé, le marin blessé, Sanders a pris la fuite. Voilà. Sanders blessé, le capitaine de port a vu le capitaine Sanders quitter le quai. Le seul homme qui ait survécu à la rixe des trois quais de Grimhaven Bay a été gravement blessé à l'épaule. L'homme blessé, le capitaine Sanders, et il cherche à se faire soigner. Donc il est sûrement à l'hôpital. Donc
Ça, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Le capitaine de... Non, c'est bon. Capitaine de port a vu le capitaine... Il cherche à se faire soigner. Ah, donc il y a un petit journal. Donc, ça veut dire qu'il faut que je retourne au Chronicle Trucmuche. Je crois. Si le jeu ne me dit rien, c'est que je pense qu'il faut que je fasse ça. Connais le Copiel Sanders. Ils vendent du poulet pané sur le quai, quoi. Regardez, il y a encore les chats Lovecraftiens. Fais Maou. Fais Maou. Oh, merde. Non, mais j'ai pas fait exprès. Je vous jure. J'aime bien rouler des pelles, mais... Mais voilà. Il y a un moment pour tout. Je connais pas KFC. Ah putain, mais si, d'accord. Je voyais pas le... Je voyais pas le rapport, je me disais, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est lui le créateur. Ah d'accord, d'accord, d'accord. The voix. Suis-je perdu? Non, c'est par là, je crois. Fais Maou. Maou. J'ai envie de refaire des... Faites votre meilleur Maou. Après, fais ton greux, fais ton Maou. Faudrait que je fasse du doublage, les gens. Je m'amuse tellement à faire des voix rigolotes ou des trucs de doublage, des fois, mais juste pour moi. Je suis un peu paumé, quand même. Hein. C'est par là. Vous pourrez nettoyer vos rues, quand même. Hein. Oh, c'est quoi, ça? Ah, mais on a déjà été ici, non? Bah non. Putain! Ah merde! Attends, à prendre le Colt. Il est où? Il est où? Il est où? Y'a pas! Merci Coco. Mortez sans envie. Il est où? Pourquoi il est plus là? Je voulais lui dire, fais ton Maou. Si, si, je l'entends, il est où? Non mais, tout à l'heure, il est sorti de nulle part. Trousse de premier soin. Oui, ça va être utile. Attendez, attendez. Je vais même faire une sauvegarde. Vous voyez? Hop. Hop. Voilà. Mais elle est où la sale bête? Mais elle est où? C'est incroyable! Elle est en haut? Il y avait rien, enfin j'ai rien vu. Mais oui, c'est ici qu'on... On a fait l'enquête, comment ça se fait qu'il y ait une bestiole? Et pourquoi je vois tout fou? Ah, elle est là! Elle est là! Merde, 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 merde. Quoi? Ouais, je suis fou, je suis fou, je suis fou. Truc mental, vite, vite, vite! Voilà. Et puis vie aussi, parce que... Il arrive pas à planter l'aiguille ou quoi? Ah voilà. Ouais d'ailleurs il faut que j'en fasse des munitions.
C'est là. Je fabrique balle par balle, hein. C'est pas des conneries. Putain, mais il est là-bas, le salaud. Comment ça se fait qu'il y ait tout ça alors que je suis déjà venu ici? Mais il est où? Les gars, cours! Mais on est d'accord, je prenais. C'est une hallucination collective! Je prenais du dégât! Il me touchait pas, je prenais du dégât! J'ai pas compris. Les missions sont rares, la fuite sera souvent la meilleure solution. Je crois que le jeu essaie de me dire quelque chose. Mais votre voix en votant. Choisissez avec sagesse. Je comprends pas à quel moment le jeu me remet en fait. Sanders blessé, ok. Bon, on va pas rentrer dans la maison. On va pas. On n'est pas obligé de rentrer dans la maison. On va pas. On va pas y aller. Il faut qu'on retourne au Chronicle truc mûche. Donc là, je fais demi-tour. Ou alors je peux aller au canot qui est juste là en fait. Genre tout droit. Un aspivion. Marché aux poissons, nouveau lieu. Ouais. C'est dégueulasse. En vrai, comment j'aimerais pas être dans cette ville. Mais alors tellement pas quoi. Zone infectée, Ah, peut-être pas bonne idée d'aller par là, non? Je suis une petite curieuse, moi. Coucou. En plus, il y a des soins. Oh merde! Photo! Non, non, c'est bon, je m'en vais. Je m'en vais. Toujours un qu'un bug, pas pour le vendre. C'est bon, non mais je suis parti, oup, oup, oup. Du coup, je disais... Je me suis perdu. Le canot, il est complètement de l'autre côté. Mais je suis pas du tout au port. Donc là, je vais à droite. Et ensuite, je vais à droite. Droite. Tu vas mourir, étranger. Pardon ? Tu vas mourir, étranger. T'as dit quoi ? Ouais, je préfère. Non mais, ça va, oui ? Photo, j'ai des preuves. Droite, droite, on a dit. Après, je crois que c'est là. Putain, il y a encore des gens qui se battent. Non, mais cette fois, je laisse se battre. Les munitions sont pas rares. Je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles. Alors, on va tout à gauche. Et après, on essaye de trouver un endroit où se garer. Sur la droite. Oh, regardez, eux aussi naviguent. Oh, mais oh, c'est vous. Est-ce que je suis parti dans le bon sens? Ouais, à peu près. Même. La partie inondée de la ville est quand même super bien foutue, je trouve. Il y a un endroit pour se garer ici, mais ça ne m'intéresse pas, on est d'accord. Je trouve que c'est bien foutu, hein. Ah, par contre, moi je navigue n'importe comment. Ah,
J'ai pas bu d'alcool, c'est pas vrai. Coucou! Vous me pêchez un poisson, les gars? Et là, je vais à gauche. Là, il y a un hôtel. Bah alors, je pensais dans quoi? Avance. Bim. Ah, attends, je crois qu'ici, je pouvais accoster, non? Ouais, je crois bien. Coucou gardien, tu vas bien? Vous êtes loin dans le jeu? Non, on en est encore au début. Hop là. J'adore comme il sort super vite à chaque fois de sa barque. Ok, on est pas loin. Alors. Donc c'est par ça, le QG pillé. Perdu. Sanders blessé, voilà. Donc, on va mettre personne. C'est pas une célébrité. C'est servi, personne civile. Ou personnage officiel. Personne civile. On sait pas où c'est. Actualité. Ah bah si, je peux dire que c'était au vieux port, donc le vieux port c'était où? C'était à Grimhaven Bay, voilà. Non! Merde! Ouais, mais je sais pas si c'est actualité ou petites annonces. Je sais rien, moi. Vous voyez, le jeu plus moche, je suis agréablement surpris. Non, non, le jeu est vraiment pas dégueulasse. Hein. Oh, elle griffe. Comme Mademoiselle Jade, exactement. C'est ça. Tu recoupes les infos, là? Oui, c'est ça, ouais. Enfin, j'essaye, mais j'avoue que j'y arrive pas trop. Période plus que catégorie. Période, tu penses? Merde, attends, comment je... Enfin, enlève. Ma période, ouais, mais on n'a pas trop d'indications. Enfin, c'est récemment, quoi. Après l'inondation. Non. Attends. Je vérifie. Ouais, non, en fait, dès qu'on a une information comme ça, donc là, à chaque fois, on a nos petites actualités dans notre enquête, on va dire. Et dès qu'on a un petit livre là au-dessus du truc qu'on a appris, ça veut dire qu'il faut faire des recherches dans les journaux. Mais là, j'avoue que je vois pas bien ce que je suis censé chercher. Le colonel Moutarde avec le chandelier dans la cuisine, voilà, c'est ça. Après, peut-être que c'est pas une personne civile. Si c'est un capitaine, c'est peut-être un personnage officiel. Catégorie... Ouais, catégorie, j'en sais rien. Grimhaven Bay, ça c'est sûr. Parce qu'on sait, voilà, que c'est le capitaine Sanders. Après, voilà, s'il y a eu un espèce de combat ou je sais pas quoi, ça a dû apparaître quelque part dans le journal. Donc, article ou interview. Non. Petites annonces. Non. Actualité. Première page. Ah! Non, Grimhaven Bay, ça c'est sûr. Période, bah... je sais pas, moi. On est en quelle année, là? Ça y est, je peine un peu. Mais je comprends pas, je suis un peu perdue. À chaque fois qu'il faut recouper les infos, je suis perdue. Non, bah c'est pas période non plus. Ou alors je me suis trompée ailleurs.
2020. Merci, Zianalyse. Après l'inondation, c'est présent, si tu préfères. Ok. Alors, moi, que je me sois trompé sur personne, peut-être. Est-ce que c'est une célébrité, le capitaine? Je pense pas, hein. Bah non. Journaliste, bah non. Je ne comprends pas bien. Est-ce que, je sais pas, je peux pas en parler à la nana ou... J'ai un peu de temps pour votre interview. L'interview vous intéresse toujours? J'ai un peu de temps si vous êtes prête. Absolument. Nous savons déjà que vous êtes le détective qui a résolu. Bon bah du coup je suis en interview, ça n'a rien à voir. À nos lecteurs, quelque chose à votre sujet. J'ai servi dans la marine, je suis détective de Boston. Je suis un détective de Boston. On va déjà commencer par l'affaire du port était un bon entraînement pour mes compétences. Eh bien, détective Reed, vous découvrirez vite que notre ville a beaucoup de secrets et de gens qui n'aiment pas qu'on se mêle de leurs affaires. Nous aurons peut-être l'occasion de travailler ensemble. C'est un message subliminal. Et maintenant, la grande question. Qu'est-ce qui vous a amené à Oakmont? Oh, le climat, la bonne ambiance dans la ville, le poulpe grillé. Je cherche des personnes disparues. J'enquête sur des disparitions dans tout le Massachusetts. Toutes les personnes disparues semblent avoir atterri ici. On va pas parler de mes visions. Hein. Le mystère des étrangers. Et vous voulez découvrir la raison de leur venue? Eh bien, ils ne sont pas particulièrement bavards à ce sujet. Le fait qu'ils n'aient plus toute leur tête, festival du gentiment, n'aide pas forcément non plus. Ça suffira pour le moment. Nous n'allons pas tout dévoiler à nos lecteurs en une seule fois. Merci pour l'interview, Monsieur Reed. Eh ben, non, rien. C'était pour moi. Je me tirais sur des gens au hasard dans la rue. Parlez de moi prochainement à nouveau. Et d'enrouler des grosses perles. À plus tard. Période et lieu, on est sûr. Après, tu piffes en essayant tout le reste. C'est sûr que c'est période, du coup. Période, donc, et c'est Grimhaven Bay, hein, on est d'accord. Ouais, mais j'ai essayé tout le reste, non? Merde. Ça ne marche pas! Ça ne marche pas! Et, sur ma map, j'ai pas le truc d'un hôpital. Hôpital. En fait, il faut peut-être que j'aille à l'hôpital. Tout simplement. Le truc, c'est que vu que l'aide du jeu me disait tout à l'heure que s'il y avait un petit bouquin, c'est qu'il fallait faire des recherches. Et ben, je pensais qu'il fallait que j'aille chercher à Oakmont Chronicle, mais peut-être qu'il faut que j'aille directement à l'hôpital, en fait. Tout simplement. Mange pas. Ça marche pas. Les femmes et l'alcool. Comment ça, les femmes et l'alcool? Pardon. J'ai pas un problème, j'aime bien juste renverser les gens. En quoi c'est un problème? C'est moi ou il fait vachement plus sombre d'un coup? Qu'est-ce qu'ils font, eux? Mais... Non, je vais pas m'en mêler parce que je vais encore perdre de la sanité. Ah! Mais non, qu'il a fallu 3 balles! Mais c'est un règlement de compte ou vous êtes flic? Il a dit recommencez pas, je le provoque un peu. Sale étranger. Quoi? Non, allez, j'arrête. Les balles sont. Mais il vient de tuer quelqu'un! Où est la police? Coucou Axel, tu vas bien? Ah, attends, il y a un petit lieu à explorer ici. Ouais, poudre, canon. Eh ben, y'a que ça. Mais c'est déjà pas mal. C'est Al Capone. Ah ouais, il y a une ambiance. Oula, dans cette ville. Attends, mais je vais vers la barque, là. Ah bah oui, je suis obligé de prendre la barque. Coucou à Red. C'est passé récemment, on est d'accord. L'accident? Bah ouais. Qu'est-ce qui se passe? Oui.
D'accord. L'ambiance de la ville qui est... Je vais très bien, merci, et toi? Du loot? Non. Point de loot! Tenez, il y aura sûrement quelque chose qui vous plaira. Ici, c'est moins cher qu'ailleurs. C'est quoi ça, là? Ça a l'air génial, je veux ça. Tiens, c'est là. Patient ou visiteur? Cette moustache! Le docteur Grant va deviner. Devine. Un visiteur. Mais vous avez la mine pâle. Vous n'auriez pas la migraine, par hasard? Oui, un petit peu, non, je vais bien. Oui, un petit le peu. Le truc habituel, rien de bien inquiétant. Une migraine chronique, fascinant. Pure coïncidence, mais j'étudiais les humains et leur rôle dans les maladies avant l'inondation. Coucou Rifax, c'est vrai ? Saviez-vous que nous sommes tous infectés par les la police, il a tué. Non. Vos migraines pourraient indiquer qu'ils ont colonisé votre cerveau. Les Elmintes ? Apprenez quelque chose, Toubib. Ça semble sérieux. C'est quoi les Elmintes ? Puis-je vous suggérer de prendre part à mon programme d'expérimentation médicale ? Ouais, ce sera rigolo. De la médecine expérimentale ? Ça ne peut pas être pire que l'asile de Boston. Comptez sur moi. Je suis enchanté de l'entendre, monsieur... Reed. Charles Reed. Monsieur Reed, avalez ces pilules avec un peu d'eau. Elles sont très efficaces contre les parasites. Contactez-moi quand vous sentirez une amélioration. Ouais, il n'y a pas d'amélioration du tout. Il n'y a pas d'amélioration du tout. Ça m'a rendu folle, ce qu'il m'a donné. Wouah 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 wouah. Non 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 non. Ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ça va passer, ça va passer. Il vient de me droguer. Dis-moi, espèce de petit enfoiré. Vous m'avez empoisonné. Qu'est-ce que vous m'avez donné, Doc? Quelque chose ne va pas? Vous me paraissez être en parfaite santé. Votre médicament m'a aveuglé. Fils de pute! Et ensuite j'ai eu des visions, encore pire qu'un coup à la tête. C'est quoi votre plan? Intéressant. Je n'avais encore jamais obtenu... Quel enfoiré! ...effet secondaire. Je vais devoir mener de nouveaux tests. Prévenez-moi s'il vous arrive quelque chose d'autre, d'accord? J'aurais jamais dû faire ça, quoi! Je suis à la recherche d'un homme tout juste admis. Plutôt mal en point. J'ai un service de soins intensifs rempli de patients mal en point, monsieur. Celui-ci aurait une blessure à l'épaule. Okay, mais vous en avez pas deux comme ça. Celui que je cherche a reçu un méchant coup de hache à l'épaule. Monsieur, je n'ai pas le temps de passer en revue une pile de dossiers médicaux. Mais si vous y tenez tant que ça... Ah, c'est là qu'il va falloir choisir recherche. Vous-même. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il y avait un petit bouquin, parce qu'il y a les archives médicales, il y a les archives du journal, ouais. Je peux vous aider? Non, je vais vous aider, ouais, c'est bon. Je viens de tester un médicament là, horrible. Impossible d'en porter davantage? Quoi, quoi, quoi? Y a-t-il... du loot? Oui! Alors... Sanders blessé. Donc, nous cherchons un patient. Département chirurgie, je suppose. Quartier de Grimhaven Bay. Oui. Peter Crowley, M. 29 ans, originaire de Commande. Brûlure multiple et blessure de fragmentation au torse et visage déçu d'une explosion. Bah c'est pas lui alors. Plusieurs interventions chirurgicales, traitement de ses blessures, chirurgie faciale. Pronostic positif, repos recommandé. Joseph Willow, 39 ans, étranger, entaille profonde à l'épaule gauche. Ah, c'est lui. Fracture de la clavicule, fracture de l'omoplate. Point de suture, fracture traitée et bandée, aucune trace d'infection évidente. Pronostic positif, repos recommandé. Preuve mise à jour, ok. Du coup, je vais le chercher. Sous-sol, chirurgie, ok.
Eh mais dis donc, le bouton rouge, c'était pas par là par exemple. Je sais plus. Clear, tu vas bien? Clear water, weather. Je suis pas au bon endroit. Bonjour. Eh ben, c'était pas au sous-sol que je te sens salut. Si, si, c'était là. Ouais, mais on n'a pas vu le bouton rouge. Bonjour. Que vous est-il arrivé, monsieur? Pete, explosion, pêche à la dynamite. Fait mal de parler. Vous aussi, vous pêchez avec de la dynamite. Je suis désolé. Bon rétablissement. Au revoir. Quitte le patient blessé, ok. Mon ventre. Jamais plus je mangerai de sangsue. Ça, non. Non, mais quelle idée. Elle est folle, hein. Ils sont complètement cons, ici. C'est pour lui, là, non? Mais attends, en chirurgie, normalement, je suis pas au bon endroit, quoi. Bah, non. C'est quoi le jeu pour l'instant? Il est très cool. Moi, il me fait bien rire, ce jeu. Je l'aime bien. Et il m'a même fait bien peur tout à l'heure. Coucou. Aïe. Qu'est-ce qui est arrivé à votre épaule? L'épaule. La gare dans un bar. Un vrai cinglé. Il a sorti un pistolet et m'a bien amoché l'épaule. Je peux vous aider? Je cherche quelqu'un. Le capitaine Sanders. Sanders, vous dites? Je connais pas. Moi, c'est Joseph Willow. Vous feriez mieux d'aller chercher autre part. Pourquoi avez-vous menti? C'était pas marqué Joseph Willow, justement, celui qui avait reçu un coup de hache? Je crois, hein. Le bomberman des sardines. Oui, j'ai mis du vernis. Et au pied aussi. C'est drôle, votre fiche dit que vous avez pris un coup de hache, tout comme un certain capitaine Sanders au massacre du port. Eh oui. Allez, crachez le morceau. Crache le morceau. Bon sang. Qui vous a envoyé? C'est moi qui pose les questions, l'ami. C'est moi, détective, ici. Tu te calmes. Dites-moi un peu qui vous êtes. Oula. Je mène l'enquête sur les vidéos. J'enquête sur l'expédition. Plutôt. Charles Reed, détective privé. Monsieur Throgmorton veut savoir ce qui est arrivé à son expédition perdue. Alors comme ça, elle a fini par se réveiller, Throgmorton. Je savais qu'un homme comme vous me retrouverait tôt ou tard. Il n'y a pas d'homme comme moi. J'ai envie qu'il soit un peu badass, tu vois. Qu'est-il arrivé à l'expédition? Je pense qu'il serait peu dire de qualifier votre expédition de désastreuse. Oui. Il y a des choses qu'on ne devrait jamais découvrir, monsieur Reed. Si seulement j'avais su. Peut-être qu'il serait encore en vie. Les chercheurs, mon équipage. Aucun d'entre eux ne méritait un tel sort. Albert est revenu seul. Saviez-vous qu'Albert Throgmorton a réussi à regagner le rivage? Albert, gros bisous, Luna, bonne nuit. Il est ici. Fais de beaux rêves. Il s'en est pas sorti. Mort comme le reste. Assassiné au port. Pardon. Mais qu'en est-il des autres? Tu l'as, ok. J'en sais rien. Mon équipage les a laissés au fond sous l'eau. J'ai donné l'ordre de les sauver, mais mes gars ont menacé de se mutiner. C'est moi la dernière plongée. Lors de la dernière plongée. On avait un système. Les plongeurs descendent puis remontent à l'heure prévue. Mais pas cette fois. J'ai fini par envoyer une autre équipe pour les retrouver. Ils sont revenus avec Albert. Mais ils étaient tous terrifiés. À moitié fous. Vous buviez, pourquoi? Je suis passé avant fous du Titanic avant de venir ici. L'équipage avait l'air de picoler sec. J'avais des techniques de pêche avec le garçon. On les empêchait de se mutiner. Pour les sauver du désespoir. C'est un peu ça, ouais. Après un tel cauchemar, chaque homme sur Terre irait se saouler. Les fouilles ont donc laissé votre équipage mal en point. Mais que s'est-il passé au port? Je l'ignore. Ils étaient tous calmes jusqu'à l'arrivée, puis... Puis ils ont complètement déraillé. Et beaucoup de bravos... Parce qu'il n'y avait plus d'hommes. C'est une excellente raison. Si vous avez abandonné les autres à leur sort, c'était pour une bonne raison, n'est-ce pas? Vous n'y étiez pas. Jour après jour sur ce navire. C'était un cauchemar, monsieur. Je trouve que les yeux sont vachement bien faits aussi. Non? Des choses. C'est moi. Aucun de nous n'osait dormir.
C'était une expédition en eau maudite. Soyez-en sûrs. Quel était l'objectif de l'expédition? Cherchez-vous sous l'eau. La cause de tout ceci. Les pierres, l'inondation, les monstres. Les visions. Les chercheurs ont trouvé des failles au fond de la mer. Des failles sur une théorie qui les relie à la folie. Le fond de l'océan s'ouvre en grand et ça rend tout le monde fou à la surface. Vraiment. On a et passé des journées entières au-dessus des failles. On a des sacrées cicatrices. On entendait des choses. Bon, en même temps, il a fait la guerre de je sais plus quoi. Où a lieu la dernière plongée? On est sur le site de la dernière plongée. J'en vais y aller. Non, non. Vous ne pouvez pas les suivre, monsieur Reed. C'est du suicide. Ou pire encore. Mais non. J'ai été plongeur dans la marine, capitaine. Ah bah il a été plongeur dans la marine. Avec le respect que je vous dois, je ne crains aucun croque-mitaine. C'est sans importance. Vous y emmènerez pas. Et de toute façon, il est impossible de les suivre sans le bon équipement. Où puis-je trouver un scaphandre? Vous savez où je peux me procurer un bon scaphandre? C'est moi qui pose des questions. Ok, ok. T'as tu m'écoutes pas. Ça, je vous donnerai l'adresse. Quoi? Merde, j'ai pas posé qui tu cas. Je veux lire le journal de bord du capitaine. Où se trouve le journal de bord du Titania? Je l'avais sur moi, mais j'étais presque inconscient quand on m'a amené ici. Je me souviens de la salle de chirurgie. Puis quand je me suis réveillé, mes affaires n'étaient plus là. C'est peut-être là le bouton rouge, non? Bon établissement. La salle de chirurgie. Where is la salle? Et toi, qu'est-ce que t'as? Moi, pitié, pitié, juste là. Ça me démange, je deviens folle. Non, tu te grattes toute seule. Va te gratter toute seule, je veux pas te toucher. Et toi, tu dis quoi? T'as pas de loot? Qui n'a point de loot chez soi? Et dans de sales draps. Merde, je suis retourné là. Chirurgie. Save avant. Ouais, attends. Ouais, mais attends. Il faut d'abord que je trouve la chirurgie. Basement. Chirurgie, stockage. Eh ben, basement. Basement? Ça devrait être là. C'est pas ça la chirurgie? Ah 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 oh 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 ah! I a ou ah ah! Comment j'utilise mon pouvoir? Non, ça c'est ma lampe torche! Merde! Il y a une touche et je sais plus laquelle c'est. Ah, flûte! Ah! Paramètres, contrôle. C'est quoi déjà? Œil de l'esprit, ça doit être ça. Ah voilà. Oh. Prenez les affaires du patient et rangez-les dans la réserve. Ok. Il y a autre chose à voir ou pas? Prenez les affaires du patient et rangez-les dans la réserve. C'est moi ou cette voix me dit quelque chose? Non? C'est où la réserve? Stockage, c'est la réserve, non? Ça devrait être là, normalement. Ah, ah, ah! C'est bon, j'ai rien dit, j'ai trouvé. Journal de bord du Titania. Ah, putain, je vais me faire mal. Lieu de l'accident, l'équipage se plaint de bruit et du manque de sommeil. Poissons sont étranges, 22 mars. Atteint le... L'équipage souffre d'hallucination. 23 mars, rhum distribué, pourvu que ça les occupe. 23 mars, trouver une poche d'air dans les grottes près des dents du diable, non loin de la ville. Chercheurs ont découvert d'anciens murs, ont demandé des outils. 24 mars, plongeurs sont pas remontés à temps. Envoyez Tate et Myers au fond. 24 mars, Tate et Myers sont revenus avec Albert Throckmorton. Il a perdu la tête. Sa folie malsaine, surnaturelle. 24 mars, équipage a foutu Albert dans une chaloupe. Voulu les arrêter, mais se sont mutinés. Nouveau lieu dents du diable. Voilà, c'est là où on doit aller. Mais avant ça, toutes les preuves ont été récupérées. Donc c'est pas ici en fait le bouton rouge. Vous êtes déçus, hein, vous voulez le bouton rouge là. Mais avant ça, j'aimerais bien... Ok, ça sert à rien ce que je viens de faire. C'est vrai que ça ressemblait un peu ici. Il y
Viens voir un docteur allemand qui parle avec un fort accent. De quoi? Qu'est-ce que je fais? Ah, c'est Gildor et Lockhart. Ok. Avant ça, il nous faut une tenue pour pouvoir plonger. Donc, il nous faut un scaphandre. Et il nous a dit qu'on pouvait regarder où? Je n'ai pas écouté ce qu'il a dit, le monsieur. L'épreuve du capitaine Sanders. Sanders a chargé plusieurs hommes d'acheter des scaphandres à l'usine de Smith Avenue, située entre Levy Coffin Avenue et Deep Shore Road, à l'ouest de Grimhaven Bay. Alors, Grimhaven Bay, Smith Avenue, c'est entre Levin et Deep Shore. Grimhaven Bay. L'ouest. Attends, c'est à gauche ou à droite? Ah, Levin Coffin Avenue, celle-là. Et Smith Avenue, c'est ici. On a dit à Smith, hein? Smith et Wesson. Ouais, c'est ça. Sauf qu'il faut que je retourne là-bas. C'est un péta ou schnock. Je suis où, moi? Je suis perdu. Je suis là et il y a... Ouais, c'est pas mort. Mais arrêtez. Pourquoi je monte sur les voitures? Merci, Coco. Zone infestée. Ah, mais pourquoi j'ai mon appareil photo? Photo. Appareil photo est plus vite que ça, si vous voulez pas avoir de problème. Plaît-il? T'as dit quoi? Tu voulais que je range quoi? Mon appareil quoi? C'est mon flash qui t'embête? Vas-y, prends la pause ma chérie. Bon, j'arrête. Non mais des menaces, mais après ils font rien. Il cambriole un endroit, on est d'accord là. C'est génial ce qui se passe, plein de trucs dans la ville. Attendez, prenez la pause. Vas-y, prends... Non mais prends la pause. Ils arrivent pas à ouvrir la porte. Vous voulez un coup de main? Un petit coup de main peut-être. Voilà. Ah, magnifique. J'adore cette ville, c'est... Oh, t'as le même sac que moi toi. C'est génial. Je suis perdu. Faut que je retourne au canoway. Et après, on va tout droit. Oula, il y en a qui bug. Oula, qu'est-ce que tu fais? Pousse-toi. Arrêtez ça. Je fais ce que je veux. Bouge, baby. J'ai super sauté du fond de mon lit. Regarde, bravo, Coco. T'as fait sursauter tout le monde. C'est impressionnant, ça, quand même. Non, franchement... Le jeu est quand même énorme. Il y a pas mal, voilà, on tourne pas mal en rond. Il y a plein de petites quêtes secondaires à faire. Alors, on n'est pas obligé de les faire. Mais je crois que c'est pour nous permettre, en fait, de gagner des balles. Et du coup, bah, d'avoir plus de munitions pour moins galérer dans le jeu. Donc, on n'est pas obligé de les faire. Mais il y a un moment donné où je pense que il faudra mieux, quoi. Alors, je crois qu'il y a quelques visages, un peu comme dans Call of Cthulhu, qui, voilà... qui ont les mêmes assets, mais quand même les personnages ont vraiment une gueule bien atypique qu'on peut confondre avec vraiment aucun autre jeu, je trouve, enfin c'est mon avis, hein. Et voilà, il y a plein de trucs à voir dans la ville, quoi. Enfin, il y a vraiment une ambiance de ouf, quoi. Il y a plein de trucs à voir, les décors sont ouf, c'est bien bien badant, bien comme il faut. Vraiment, non, vraiment, le jeu est cool, quoi. Ah, est-ce que ça serait ici? Oh, regardez, avec un petit scaphandre. Mais attends, on est déjà allé là. Ah, mais oui, mais je suis retournée au QG. Mais c'est pas là que je voulais aller. Si? Mais j'avais pas mis un repère sur Smith Trucmuche?
Ah non, 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 non. Je voulais aller au truc de TP. Je suis perdue. Donc, je vais tout droit et je tourne à gauche à la deuxième. Il pleut toujours. Il y a des chances, ouais. Et normalement, c'est pas. Mais non, mais les gens ils me cherchent dans la rue, c'est pour ça que je leur tire dessus. Attends, un mec il te cherche dans la rue, tu lui tires dessus quoi, je sais pas. Non? Ah mais j'ai toujours pas trouvé de TP ici. Ah, il faut que je trouve une TP ici, c'est super chiant. C'est-à-dire que c'est du coup là, il faut que je reprenne un canoë quoi. Si je peux me TP, ouais. Pff, là, ça m'avance toujours un peu, mais. Faut que je trouve une TP pour aller dans Grimhaven Bay parce que c'est un peu relou. Et donc ici, on a dit. C'est tout à gauche. Ah, et Smith Trucmuche, c'est dans l'eau d'ailleurs. Ah ouais. Donc je dois reprendre un canoë après. Et bah sinon, je fais. Ouais. J'essaie de mémoriser le trajet après, mais je sais que je vais regarder le trajet pendant que j'avance. Quoi. Flip out of context, ça pourrait faire. Et cette phrase, laquelle? Merde, 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 merde. Ah. Attends, attendez, vous me perturbez. J'essaie de conduire. Pousse-toi. Ouais, c'est toujours marqué, Sander s'est gravement blessé. Je m'en fous. Il se démerde. Alors là, tout par là. Bonjour, vous avez l'heure. Celui de votre décès. Ah, j'adore. C'est trop bien. Bang, bang. Bang, bang. Ou alors, tu les regardes. Ok, là je vais tout droit. Tu la regardes et tu leur fais. Fais ton Mao. Et s'ils font pas un bon Mao, tu les exploses. Ouais, la map est assez grande, ouais. Il y a. Ouah ! Ouh la vache. Ouh là là. Il y a pas mal de choses à voir. Et ben c'est la prochaine. Ah mais attends, la rue Smith, elle fait tout ça, hein. Ouais, mais tout à l'heure, ils ont dit entre Levy Coffin Avenue et Deep Shore. Levy Coffin. Levy Coffin, elle est là. Et Deep Shore, elle est où? Et Deep Shore. Ah ok, donc c'est en fait c'est ici que je dois aller. Donc là on prend la prochaine à gauche jusqu'au repère. Là. Même. T'as de l'essence sans limite? Oui oui. D'ailleurs vous avez vu mon petit bateau s'appelle le Cyclope 2. Bonjour madame. Dans la bonne rue là. Oh là. Moi j'aime bien me balader comme ça en canoë. Ça fait un peu Venise, mais en 10 fois plus glauque. Mais j'aime bien. Oh. Oh. Retour arrière, je veux juste voir ce que c'est. Y'a quoi ici? Ah, y'a un vrai endroit. Bonjour. C'est un endroit qui sert à rien. Incroyable. C'est un endroit qui sert à rien, d'accord. Surprenant. Oh.
Merde. Oh, merde! Il n'avait rien vu. Il y a un percheur à harceler. Non, mais vous voyez, c'est vous qui me tentez, quoi. Et pourquoi je peux m'arrêter sur tous ces endroits? Oh! Usine de scaphandre. Ah, bah c'est là! Ouais, attends, j'ai pas mon arme équipée. Ouais, j'ai plus de 3 balles. On va peut-être refaire les balles. Les balles partent tellement vite. En même temps, regardez, je l'ai fait une par une. Hein. Donc, oh là, j'en ai 16. Ça va. Oh là, mais vous avez vu ce skill? Nous sommes à l'usine de scaphandre. Je vais pouvoir me... C'était bizarre ce bruit. On va pouvoir se trouver un petit scaphandre. Y'a rien ici. Oh, il est beau. Ce truc ne me laisserait pas respirer plus d'une minute. Tu t'y connais en scaphandre? Ah bah oui, tu me diras, il était plongeur, donc oui, d'accord, ça fait sens. Je peux aller par là? Oh, je sais pas si c'est la meilleure des idées. Tac. Jeu gentil quand même, une balle par monstre. Ouais. Ouais, alors par contre, ça c'est des petits formats de monstres. L'espèce de gros machin là qui m'a foutu la peur de ma vie là tout à l'heure. Hein? C'est pas la même chose. Pas la même chose du tout. Je refuse de me fier à un scaphandre rouillé. Oui. On est d'accord, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus prudent. Ça c'est quoi? Poudre à canon. Je viens de prendre un scaphandre dans ma poche. Mais tout va bien. Ok. Bon bah. Baron New. Du coup. Merde. Maintenant. Un scaphandre du même type que ceux qu'on utilisait dans la marine. Vieux mais bien entretenu, je vais pouvoir plonger jusqu'à environ 100 mètres avec ça. Les chercheurs d'expédition ont effectué leur dernière plongée à proximité d'un ensemble de rochers surnommé les Dents du Diable. Ce récif n'est pas très loin du pont du port d'Okmang. J'ai les coordonnées à ma position, je devrais pouvoir m'y rendre en bateau. C'était où le bouton rouge? Je sais plus. J'avais oublié ça. J'ai un seul point là. Ok. Je peux mettre des points en combat. Donc ouais, on a un arbre de compétences. Le sac de Dora l'exploratrice, c'est un peu ça. On a des compétences en combat, en vigueur ou en pragmatisme. Clarté absolue permet de gagner plus d'expérience et de garder la raison un peu plus longtemps. Ça peut être bien. Ça, c'est pour porter plus de matériaux. 7 balles de pistolet en plus. Pour le moment, c'est pas utile. J'en ai pas à foison des balles non plus. Quand vous êtes proche de la mort, régénère lentement un nombre limité de PV. Afin de livrer un dernier combat. Ok. Permet de poser les pièges deux fois plus vite. Ah oui, il y a des pièges et tout. Laisse une balle en plus dans la chambre, conférant 10% de chance d'infliger deux fois plus de dégâts avec le pistolet. Ouais, allez, pourquoi pas. Bef. Et... Oula. J'ai failli tomber. J'adore comme il se relève super vite, regardez. Merde. Attends. Hop. Moi le matin. Hop. Je suis prêt. Il est pas trop mignon. Ah ben, du coup, il faut que je retourne au port. Et j'ai toujours pas trouvé... Ah oui, non, mais c'est pas trop loin, en fait. Et ben, c'est parti. Donc, tout droit, et soit à gauche, soit à droite. Hop là. On va se garer ici. Ouah.
Hop là. Je suis prêt. Ah mais regardez, il y a un point de spawn là. Ici, là. Non? Pourquoi il m'indique sur la carte qu'il y en a un là? Ah voilà! Comme ça je pourrais me TP ici, ce sera plus simple. Et le pot est juste là en fait. Coucou Picou, tu vas bien? On va pas tarder à faire une petite pause pipi. Et bah écoutez, je vous laisse choisir. Parce qu'à 23h30, ouais. Je vais faire une petite pause pipi là dans 2 minutes. C'est pas par là. Je voulais choisir, soit on continue, on reste sur Seekin City, soit on va se tester. J'ai téléchargé plein de petits jeux d'horreur, alors je ne sais pas ce que ça vaut, hein. Des petits jeux d'horreur indé. Donc soit on continue Seekin City, soit on va tester un petit jeu d'horreur après la pause pipi. Qu'est-ce que vous préférez? Sort d'un chapeau qui se balade sous la pluie. Et du coup, je monte à bord du Tatiana et je m'en vais comme ça tout seul comme un grand. Ouah, le jeu devient super sombre. Qu'est-ce qui se passe? La lampe torche. Cap code. Il y avait des marques ici, mais elles ont été effacées. Mais comment je pars en expédition? Je devrais pouvoir m'y rendre en bateau. Ouais, mais il faut bien que j'ai un bateau. Ah, comme ça, là? Ah oui. Ah. Ok. The Thing, tu l'as déjà fait? Le film du jeu? Le... C'est le contraire. Le jeu du film? Je savais même pas qu'il y avait un jeu sur le film. Waouh, je suis dans un nouvel endroit. Mip, mip, mip. Ah bah c'est pas à cette partie là du jeu que ça avait commencé à bugger, non? Quand on va sous l'eau, je sais plus. Peut-être bien, non? Mais je serais tellement en flip à sa place. Bon, il est habitué aussi, hein, il était dans la marine, mais... Oui, le jeu... Non, ça me dit rien. C'est pas un vieux jeu, non? Il est bien? Les lampes chimiques sont presque épuisées, mais je pense pouvoir encore les suivre. Ça, c'est quand même excellent, quoi. Attendez. Le harpon est capable d'étourdir les ennemis pendant un court instant. Les fusées éclairantes servent à trouver votre chemin et peuvent distraire les ennemis. Maintenez enfoncé. Ok, d'accord. Du coup... Cette pierre n'est pas naturelle. Est-ce que c'est une statue? Statue de quoi? C'est énorme cette partie du jeu, quoi. C'est un scaphandre, donc il faut quelqu'un qui pompe l'air, non? C'est qui pompe là? Il faut quelqu'un qui pompe l'air? Ah bon? Ah, je te vois que je m'y connais pas très bien en scaphandre, j'en ai aucune idée. Waouh! 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 Alors attendez, je vais quand même sauvegarder parce que je crois que c'est à partir de cette partie-là du jeu qu'on avait commencé à avoir des problèmes, me semble-t-il. Donc, dans le doute, voilà. Mais ouais, bonjour, il y a un énorme poulpe. Salut. Je vais où, là? En bas? Ah, je crois bien. Ouais, mais attendez, je deviens fou. Regardez, je deviens fou. Je deviens fou parce que j'ai vu un poulpe géant, ouais, peut-être.
tourner. C'est quoi? Ah, c'est une arme, non? Oui, et ben lâche-le, non? Je suis complètement fou! Je suis complètement fou! Ah! Cours! Va vers la lumière! Bah écoute, j'irai voir Lilian. Est-ce que tu peux me le mettre sur le Discord suggestion? Pour pas que j'oublie. Preuve clé récupérée. What the fuck? Les chercheurs n'ont même pas emporté leurs outils. En effet. Ah, bah il y a quelqu'un. Il fait le lapin! Je suis un lapin! Je suis un lapin! What? Les dieux se penchent sur nous. En nous. En nous? Les dieux m'ont désigné comme leur apôtre. Et c'est pour ça que tu fais le lapin? C'est quoi le... Je comprends pas. Wow. C'est quoi ça? Les combinaisons sont toutes lacérées. En effet. Waouh, 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 waouh. Bonjour. Un couteau de rituel, un symbole occulte. Je ferais mieux de montrer ça à Monsieur Throgmorton. Throgmorton. Ah, je dois prendre une photo. Mon appareil photo sert à quelque chose, donc. C'est bon, j'ai pris la photo? Ah, je pense que c'est bon. Un couteau de rituel, un symbole occulte. Je ferais mieux de montrer ça à Monsieur Throgmorton. Ça donne envie de faire pipi. J'avoue, je suis toujours pas allé faire pipi. Bonjour. Il y a plein de gens fous ici. Sainte Maëre, sois nos yeux. La Maëre. Aide-nous à voir les astres lointains. Oula. Il arrive. Oh, cette tête. Le porteur de la splendeur, le béni, lui au ventre plein. Lui au ventre plein. Refaçonne-moi, je t'en supplie. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Le porteur de quoi? Coucou, quel est-il, hein? Qui parlez-vous? Que s'est-il passé? Nos yeux. Le premier, le deuxième, le troisième. Tous ouverts par l'aura. Tu vois tant, et pourtant la splendide coquille t'échappe. Celle de la Vierge Blanche qui dort ici-bas. Arrête avec tes foutaises insensées. Réponds à la question. Ta gueule, tu m'énerves! Mais c'est le sens qui est insensé. Ouvre ton esprit. Mâche. Écoute. Je t'avais dit mâche. Éveille-toi, ô ver sacré. Ver sacré? Empare-toi de sa peau et de son crâne. Accepte mes prières et accorde-moi ta bonté. Je t'en conjure. Oui, d'accord. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont tous? Sainte Maëre. Maëre. Aide-nous à voir les astres. C'est la Maëre. Ah, je suis coincé. Ah, mais les grottes sont immenses. C'est terrifiant, mais les grottes, je trouve ça tellement... tellement beau et fascinant, quoi. Oula, on va peut-être pas aller là. Ça donne quand même grave envie d'y aller, quoi. Wouh, c'est un trou. J'ai eu un doute. La spéléo, ouais, j'aimerais trop en faire. Franchement, c'est un peu stressant, tu vois, de ouf. Surtout qu'en plus, t'es sous terre et tout, mais... Non, je dis n'importe quoi, pas forcément en plus, mais... Mais voilà, c'est quand même particulier, quoi, mais attends, j'ai pas loupé un truc? J'ai l'impression d'avoir loupé un truc. Mais ouais, non, ça donne envie, hein. C'est vraiment beau, c'est fascinant, quoi. C'est badant, mais fascinant. Je peux pas regarder plus près ça, là? Ils ont pas du loot.
Ah, faut peut-être juste que je ramène la photo en fait à Throckmorton, hein. Je pense pas que là je puisse faire autre chose en fait. Je prends des photos. Ça m'a pas dit que toutes les preuves clés avaient été récupérées, je sais pas quoi. Ah voilà, photo de l'homme d'Ismouth, tué à l'intérieur du peuple sous-marin, il porte autour du cou une étrange amulette. Ah, j'ai peut-être pas besoin de trouver autre chose, si. Okay, je vois rien d'autre, hein. À part ce mec qui fait le lapin, quoi. Les dieux se penchent sur nous. En nous. Les dieux m'ont désigné comme leur apôtre. Allez, quand même, depuis que j'ai vu ce dessin, j'ai plus trop confiance. Ah, c'est clair que si tu vas faire la spéléo, tu regardes pas ce film avant d'y aller, quoi. Tellement bien, en plus, ce film. Bon, bah, je sais pas, je... n'ai pas encore fini ici. Ah bon, d'accord. Autant pour moi. Et je ne vois pas ce que j'ai loupé. Et j'ai très envie de faire pipi. Wouh. Ah. Mais vers ce petit feu, là, y'a rien, vous êtes sûr? C'est bizarre. On est d'accord que c'est bien un trou, ça. Hein. Ah oui, parce que j'avoue que je vois pas grand chose. Mais non, c'est un trou. Qu'est-ce que j'ai loupé? Donne une carotte au lapin. Qu'est-ce que j'ai loupé? Oula. Je suis tombé de haut. Je peux plus lui parler. Vous la voyez à présent? La splendide horreur de la vérité? Ah, faut que j'utilise mon pouvoir, je suis con. Voilà. Un artefact en parfait état. C'était donc ça qu'il vénérait. Ok. Ah, il faut que je reconstitue ce qu'il s'est passé. Alors, c'est parti. On entrera dans le temple dès qu'ils auront pris la clé sceau. Préparez-vous à esquinter leur scaphandre. Ah, ils se sont fait attaquer. Oh, flûte! Oh, j'ai quitté le machin. Des petits coquillages. Oui, il y a des petits coquillages sur les murs. Ignorez-les. Prenez la graine et le sceau maintenant. Parquet. Que... ça frissonne, ça... Non. Ne vous approchez pas de moi. Je pense que je commence à comprendre. J'ai un doute. Bon, là, ils arrivent, ça c'est sûr. On entrera dans le temple. Oh, c'est peut-être dans l'ordre en fait. Hein. Ignorez-les. Prenez la graine et le sang. Parquet. Que. Ça frissonne, ça. Non. Ne vous approchez pas de moi. Ah non, c'est pas ça. Ok, bah c'est dans l'autre sens, j'avais un doute. On entrera dans le temple dès qu'ils auront pris la clé sceau. Hop. Préparez-vous. Et ensuite, ils attaquent. Ignorez-les. Prenez la graine et le sang. La graine? Les membres de l'expédition ont découvert un artefact qui les a rendus fous. Puis les gens d'Innsmouth l'ont volé et ont enlevé la professeure. Innsmouth. Oh là là, mais pourquoi? Pourquoi je vois des médecins qui veulent me tailler le bout de gras, là? Parlez de la mémoire. Oula, 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 oula. Il y a un peu ton truc. Les savants sont la cause de la folie. Nope. Les savants fous. Voilà. Ah. Sauver les survivants. Je ne peux pas abandonner les survivants ici, même si ils rendent les autres fous, tout ceci n'est pas leur faute. Ou abandonner les survivants. La folie infectieuse.
infectieuse qui affecte les survivants, les rend trop dangereux par le choix, je dois les laisser ici. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ramène Jeannot Lapin et ses copains à la surface? Ou est-ce qu'on abandonne les survivants? En pensant que leur folie peut peut-être se répandre. En fait... en fait truc, hein. Qu'est-ce qu'on fait? T'as pas oublié un truc? Non, je crois pas, là, je crois que c'est tout bon. J'en ai fait une fois en Ardèche, c'était ouf. À base de lac dans une grotte, le kiff absolu. Ah, ça doit être trop bien, ouais. J'avoue. C'est un truc à faire, ça. Survivant. Qu'est-ce qu'on fait? On les ramène avec nous ou pas? I'm touching myself. En tant que bon samaritain, je me dirais, faut les ramener, tu vois. Mais si on nous laisse le choix, c'est que c'est peut-être pas la meilleure des idées de les ramener. Et que ça va contaminer des gens qui vont devenir fous à leur tour. Donc, je me tâte. Ils peuvent survivre encore un peu, il y a du lapin à manger. T'es vivant ici. Tu dis, bah, c'est pas sur Twitch, tu dois enfin, mais non, mais. C'est, c'était pour dire, je me tâte, quoi. Oh. Vous les abandonnez? Putain, j'hésite, hein. Je dis que c'est pas fameux. Ramène-les, ça fait drôle. Ils s'en foutent, ils sont déjà perdus. Je vais lancer un petit... Vous savez quoi? Je vais vous lancer un petit sondage. Comme ça, je vous laisse décider. Oula. Je veux quitter le jeu. Merci. Comme ça, je vous laisse décider de leur sort. Et pendant que vous répondez au sondage, je vais faire un rapide pipi éclair, parce que sinon, je vais finir par me faire pipi dessus. Ah, mais j'ai plus le truc du sondage. C'est rigolo, ça. Ah, si, là. Oui, t'es parti. J'ai le sondage. Oh, ok. Tac. On sauve les survivants. Oula, merde. On sauve les survivants. Merde, j'écris en mage, c'est pas grave. Oui ou non? Allez, je vous laisse 2 minutes pour répondre au petit sondage qui vient de s'afficher en haut du chat. Je vous laisse avec un petit peu de musique et je fais une rapide pause pipi. Je pense qu'on va continuer sur Skin City après la pause. Parce que je pense pas que je vais m'arrêter trop tard non plus. Donc on aura peut-être pas le temps de faire un autre jeu. Mais demain, promis, on essaie de démarrer un peu plus tôt. Et comme ça, on continuera Skin City et après on fera plein de petits jeux d'horreur indépendants. Voilà, je lance la petite pause pipi et je reviens très vite. Et je vous laisse répondre au sondage en attendant. À tout de suite. Hop. Alors, oh, je reviens pile à la fin du sondage. Si c'est pas magnifique, ça. Qu'est-ce que le sondage a décidé? Vous voulez qu'on sauve les survivants? Ce qui est une bonne et mauvaise chose. Eh bah écoutez, nous allons donc... Bah mince alors, j'avais fait quoi? C'est quoi? C'était ça? Non, merde. Bah, flûte alors. Ah, voilà. L'équipage du Titanic est devenu fou, poussé par la folie, et les marins ont massacré tout le monde sur le port. Voilà, sauver les survivants. Ok, c'est bon. On a mis sauvé. C'est bon. Le sondage qui te crée dessus. Désolé. Document brûlé. Bah si, ils sont devenus fous ce qu'ils ont pris à... Mais
des fois, je comprends rien aux associations, je vous jure. Ceux d'Innsmouth savent. Ils connaissent la source de cette folie, ils ont besoin de l'artefact et de Harriet, celle qui l'a trouvé. Ah oui, Harriet a disparu, du coup. Donc c'est la meuf qui a trouvé l'artefact. Hein. Ok. Ça va ensemble. Folie sur le Titania. L'équipage a mis Albert Throckmorton sur une chaloupe car c'est sa présence qui causait leur vision d'horreur. Albert était la source de la folie. Sauver les survivants. Il faut sauver l'expédition. Je dois dire à Robert où sont les survivants et commencer à chercher Harriet. Ok. Eh ben parfait. Je pense qu'on peut y aller maintenant. Allez, je repars à quatre pattes. Hop là. Philippe Albert qui a rien demandé à personne. Au revoir, jeune lapin. Tu me manqueras. C'est la musique du jeu ou j'ai oublié de couper la musique? Oh, c'est trop bien! J'ai oublié de couper la musique, on est d'accord, hein. Oui, j'ai oublié de couper la musique. J'avais un doute. C'est bon. Ça me revient du... Tiens-lui-tu-tu, chapeau pointu. Ah non, faut que je reprenne le bateau pour rentrer maintenant. Ch'tac, ch'tac, ch'tac. Allez, sondage marche sur téléphone maintenant. Ah bah parfait. Merde, on va encore tomber dans les pommes. Il y a encore le monsieur habillé tout en jaune qui va me ramener à l'hôtel. Ce qui est assez étrange, n'est-ce pas? Wow, comment je l'ai pas reconnu sans son chapeau. Et avec d'autres vêtements comme ça. Il n'y a pas le même bouille, j'ai l'impression. J'ai un poulpe dans la main. J'espère que je vais me transformer en poulpe. Je parie que je suis à l'hôtel. Je suis à l'hôtel. On m'a ramené dans ma chambre, si c'est pas mignon. La résolution des affaires ne se solde pas forcément par une grosse récompense. Les habitants connaissent leur ville et n'ont que faire d'en bas que ça pourrait causer aux étrangers. Super. Génial. C'est quoi ça? Ah oui, c'est ma pièce. Plus jamais, qu'ils disent. Shall read. J'ai toujours pas accès à de nouvelles tenues. Non. Oh, quel dommage. J'ai tellement hâte de pouvoir mettre celle-là. Fais chier. Bon. Pipipoupapalapipoupapapipa. Bonjour. Je vous surveille, étranger. Tellement plaisir. Oula. Alors, je suppose que maintenant il faut aller voir Monsieur Throckmorton. C'est Dismouth en tenue une embuscade aux membres de l'expédition à l'intérieur des grottes situées au fond de la mer. Ils ont attendu que la professeure Doug s'empare de l'artefact pour passer à l'attaque. Les assaillants ont saisi la professeure ainsi que l'objet et ont abandonné les autres chercheurs à leur sort. Je crois qu'il faut aller informer Monsieur Throckmorton, qui est... Il est pas à Old Grove? Manoir Throckmorton. Si, il est là. Donc je vais me TP ici, déjà. Oui. Ce petit chargement poulpi est trop mignon. Et je vais mettre un petit repère. Je pense que c'est là qu'il faut qu'on aille, hein.
connecté. Je pense. C'est parti. Mime. Tout, 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 tout. Oh merde! Oh, je me sens flouté, tiens. Il brouille. Oh! Putain, mais il y en a encore qui se battent! Mais quelle violence! Ok, elle a eu peur d'un appareil photo. Il y a toujours Sanders d'activer en haut à droite. Bah ouais, mais je me demande si ça va pas bugger. Hein. C'est parce que. Normalement, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je comprends pas pourquoi ça me l'affiche toujours. Hein. Les gens sont en train de dire je te serai étranger. Ah oui, moi je prends des photos. J'aime bien prendre des photos. Regardez cette belle endroit. On peut regarder les photos que j'ai prises après. J'ai raté une marche, je sais pas ce qui s'est passé. On doit pas être loin. Est-ce que ça serait pas ici par hasard? J'ai entendu un mot bizarre. Il a engagé des pleureuses. Et de nous. Ah mais oui, c'est son fils. Ce croque-mort a fait du bon boulot. Tiens, petite photo. Coucou. Votre expédition a besoin d'aide. Monsieur Throgmorton, j'apporte des nouvelles. Les membres de l'expédition sont en vie. Ils sont au fond de la mer à l'intérieur. Mais par contre, ils sont fous. Mais un temple ancien. Ils ont suffisamment d'air, mais il faut agir vite. Que s'est-il passé? Pourquoi les marins ne les ont-ils pas aidés? Sanders les a abandonnés, il y a eu une mutinerie sur le Titania. L'équipage du Titania s'est retourné contre Sanders. Voilà. Un seul homme a pu s'échapper, votre fils. Ils l'ont mis dans un canot de sauvetage. Les mutins auront ce qu'ils méritent. Abandonnés. Mais je crois qu'ils sont tous morts, hein, les mutins. Je le vengerai. Ce n'est pas tout. Les gens d'Innsmouth se sont emparés des découvertes de l'expédition et ont enlevé la professeure. Quoi? Sale vermine. Mais comment? Ils connaissaient ces ruines et voulaient enlever la professeure. Ils connaissaient l'existence du temple. C'était un guet-apens. Ils sont restés cachés jusqu'à ce que la professeure prenne ce qu'ils appellent le sceau. Mais comment ont-ils pu surprendre tous mes chercheurs? Apparemment, vos hommes ont perdu tous leurs moyens dès qu'ils se sont emparés. Ah oui, c'est vrai, parce qu'ils étaient un peu fous. Une sorte de folie collective. Les habitants d'Innsmouth devaient s'y attendre et ont frappé au moment propice. Puis ils se sont enfuis avec la professeure Dao et l'artefact. Drock. Drock, ça veut dire diantre. Vous avez des preuves de leur implication? L'un des assaillants a été tué par un membre de l'expédition. J'ai une photo, et oui. Mon expédition a échoué. Mon fils a été tué. Ouais, ça fait quand même pas mal de trucs. Cette histoire n'est plus personnelle, monsieur Reed. Tout le monde est en danger. Ils ont Harriet, ainsi que l'artefact qu'elle a découvert. Mais elle est peut-être encore en vie. C'est bien pour ça que je n'ai pas encore éradiqué ces gueules de poissons. Mais nous n'allons pas rester les bras croisés. Ce racisme envers les poissons. Pas les sbires, mais leur chef. Infiltrez leur rang s'il le faut. Ramenez-moi ma professeure. Infiltrer leur rang? Ça veut dire que je vais pouvoir mettre le costume dégueulasse que j'ai vu dans mon armoire? Oh mais oui! Tiens, j'ai gagné déjà. Ça me plaît pas. Écoutez-nous. Les habitants d'Innsmouth ne sont pas commodes. Et mon docteur m'a recommandé d'éviter la noyade. Qu'est-ce que j'y gagne? Vous serez grassement payé en échange. Voilà, paye-moi. Et vous êtes venu pour découvrir la source de la folie, n'est-ce pas? Pas le nord, ou... La professeur Dao a partagé les visions. Elle a découvert quelque chose à l'intérieur de ces ruines. Et la voilà prisonnière. Elle détient des informations cruciales. C'est certain. Il y avait également une affaire plus délicate, au sujet de laquelle je souhaitais vous parler, monsieur Reed. C'est ma spécialité. Conseil à noyade. Ouais, c'est du sarcasme. J'ai un collègue, comme qui dirait.
un dénommé Herbert Glover, qui lui aussi collectionne les œuvres d'art. J'ai envie de mourir, de rejoindre ta petite. Je suis détective, monsieur Throckmorton, pas cambrioleur. Faudrait que je regarde pour ce film. Me plaise guère, monsieur Reed. Je n'aurais jamais la bassesse d'embaucher un voleur. Herbert et moi-même étions censés nous rejoindre. Un rendez-vous d'une importance capitale, dirons-nous. Mais il n'est jamais venu. Je veux savoir pourquoi. Comptez sur moi, allez, on va faire une séquence. C'est pas bien compliqué. Quête secondaire. On m'en charge. Très bien, monsieur Reed. Vous avez vu ? Un dernier détail, cela dit. L'eau continue à couler sur mes vêtements. Confidentiel. Alors que je suis en intérieur. Dans aucun cas, vous ne devez révéler mon identité à qui que ce soit. Motus et bouche cousue, monsieur Throckmorton. C'est cela. Voici l'adresse de Herbert. Ainsi qu'une avance pour l'enquête. Oh oui. Je pense que vous jugerez la somme raisonnable. Combien, combien, combien ? Combien ? Bonne journée.